ingelesez eta Cárdenas jaunak espainolez. Aietez geroztik ireki den bidea Euskal Herria bake justu eta iraunkor batetara heltzeko bidea izan da. Baina batez ere ondoko belaunaldieri begira eraikitzen ari giren bidea. Orduan deklarazio hori gaur eta lehenik euskaraz aurkeztuko dizuegu. Euskaraz eta Gernikak batek eskainiko dizue. Irati Agorriako Ebas, 21 urteko emakumea Gernikako alaba. Donc, nous allons conclure maintenant cette rencontre internationale qui souhaitait acter la nouvelle étape qu'est en train de passer le Pays Basque. Comme pour Aieté, une déclaration internationale viendra conclure cette rencontre-là. Et au nom aujourd'hui des personnalités internationales qui sont venues et se sont déplacées au Pays Basque pour, avec nous, acter cette étape majeure, c'est M. Candesus qui lira la déclaration en français, M. Powell en anglais, et c'est M. Cárdenas qui terminera en castillan. Tout le chemin entrepris depuis Aieté, toutes ces étapes franchies depuis Aieté, elles sont bien évidemment pour arriver à fermer les pages du passé, à regarder le passé, mais c'est surtout et avant tout pour cette nouvelle génération qu'on le fait. Donc cette déclaration internationale, la déclaration d'Arnaga, sera lue aujourd'hui en premier en basque par une jeune femme de Guernica. Irati Agorriaga Cuevas lira cette déclaration-là, une enfant de Guernica. Mieszkar. Orainia 7 urte etorri ginen Donostiara. Europako azken gatazka armatua gainditzeko aukera erreal bat zegoela egiazki sinetzita. Une historiko horretan dei bat luzatu genion alde orori, bide baketsu eta demokratiko bat egiteko, bai eta desberdintasunak elkarrizketa eta negoziaketa bidez konpontzeko metodoari atxikitzeko. Lurralde bake justu eta iraunkorra erdietzi zedin. Eta gure deiari bere ekinbide armatuaren amaiera behin betikoa jakinaraziz erantzun zion. Ordutik eta bere hitzari lotu zaio eta ez da biolentzia gehiagorik egon. Iaz, haratago joan eta armagabetze osoa burutu zuen. Guk pauso historiko hauek errekonozitzen ditugu eta ongi etorri sendoa ematen diegu. Gaur armagako etzera gatoz. Kanbon azken adierazpen historiko bati ongi etorria ematera. Atzo etak erakunde politiko armatua izateari utzi diola adierazi zuen. Hau, Europa osorako une esanguratsua da. Kontinenteko azken indar armatuaren amaiera esan nahi baitu. Aieteko adierazpenetikona, azken 7 urte hauek guk egindako bakedeiari erantzunez aurrera pausu nabarmenak egon dira Euskal Herrian, Euskal Herri osoan. Badira Aieten egin genituen dei batzuk ez dutenak erantzunik izan. Guk eta Espainiar gobernuaren arteko elkarrizketa aholkatu genuen, eta hau ez da eman. Baina halere, eman dira bakearen aldeko egin ahal asko eta asko. Euskal gizarteak, bere gizarte antolakundeek, alterdiek eta erakundeek, ipar zein ego, guztiek egin dute lan bakea aurrera egin zedin. Guk urte luzeetan Euskal Herrian, Espainia zein Frantziako herritarrek, zein gobernuek eginiko lana eskertu nahi dugu. Bai eta pertsona zein erakunde ezagun zein ezezagun ugarik egindakoa. Guztiek gaur lortzeko gogor lan egin baitute. Gai garrantzitsu batzuk oraindik konpondu gabe diraute. Hala nola preso diren edo iesean dauden pertsonen auzia. Lurraldeko eguneroko bizitzan zein politika osoki normalizatzeko etenik gabeko esfortzuak beharko dira. Nagusiki egiteke gelditzen dena berradizkidetze prozesua da. Parte hartu dugun gatazkan izan dugun esperientzia dela eta honek denbora tarte luzea hartzen du.
Zauriak sakonak dira. Familiak eta komunitateak banatuta daude. Biktima guztiak bereizketari gabe aitortu eta laguntzeko lan egin behar da. Honek, alde guztiek iraganarekin zintzotasunez jokatzea eskatzen du. Bai zauriak sendatzeko, bai komunitate partekatua berreraikitzeko eskuzabaltasunez jokatzea. Etak eragindako mina aitortuz etorkizunari begira, egin beharreko berradizkidetze lana babestuz, berriki egindako adierazpenari ongi etorria ematen diogu. Alde guztiek daukate oraindik lan handia egiteko. Berradizkidetzerako bidean barrena, esfortzuak modu arrakastatzuan jarraituko dutela espero dugu. Eta gure ekarpen berria behar duten guztiain esanetara gelditzen gara. Aieten 2011an esan bezala, gure iritzian, bakea eraikitzeak elkarrizketa politikoa eskatzen du aktore nagusien artean. Segurtasun zein kartzela neurriekin soilik erantzutea oso gutxitan da arrakastatua. Bakea ez da zero gehiketa joko bat baizik, eta onarpen politikoa kontu bat da. Non bi aldeek, beraien helburuak modu baketsuan bide politiko eta demokratikoen bidez erdiestea adosten duten. Gaurkoa egun ona da Euskal Herriarentzat, Espainiarentzat, Frantziarentzat eta Europa osoarentzat, ospakizun eguna. Ziur gaude Euskal Herrian, berandu baino goizago eta guztion ahaleginarekin konponbide oso, justu eta iraunkorra lortuko dela. Munduko beste eremu batzuetan, irudiz, konpondu ezinezko gatazkei aurre egiten dietenei ere, itxaropena emango diela espero dugu. Voici la déclaration d'Arnaga. Il y a presque 7 ans, nous nous sommes réunis à Donostia, San Sebastian, et nous avons adopté la déclaration d'Aiete, car nous étions convaincus qu'il existait une véritable occasion de mettre fin à la dernière confrontation armée en Europe. À l'époque, nous avons appelé toutes les parties concernées à adopter des moyens pacifiques et démocratiques, ainsi que le dialogue et la négociation, afin de résoudre les différends et ainsi atteindre une paix juste et durable dans la région. État a répondu à notre appel en déclarant la fin définitive de la lutte armée. Depuis lors, l'organisation a tenu parole et il n'y a plus eu de violence. L'année dernière, elle a fait un autre pas en avant et a procédé à son désarmement total. Nous considérons que ce sont des avancées historiques et nous les saluons. Aujourd'hui, nous nous réunissons au palais d'Arnaga à Cambo-les-Bains pour saluer la déclaration finale du groupe. Hier, à Genève, ETA a annoncé qu'elle a cessé d'exister. C'est un moment historique pour l'Europe entière, car il marque la fin du dernier groupe armé sur le continent. Au cours des 7 années qui se sont écoulées, presque écoulées, depuis la déclaration d'Aiete, des progrès ont été faits en réponse à notre appel à la paix aux Pays-Bas. Certaines de nos demandes formulées à Aiete ne se sont pas, bien sûr, matérialisées. Nous avons suggéré que le dialogue entre le groupe et le gouvernement espagnol se poursuive, mais cela ne s'est pas fait. Mais bien d'autres efforts pour la paix ont été réalisés. Le peuple basque, les organisations civiques, les partis et les institutions, au sud et au nord, ont tous joué un rôle pour faire avancer la paix. Nous rendons également hommage aux efforts de longue haleine des citoyens et des gouvernements du Pays basque
d'Espagne et de France, mais aussi au travail accompli par de nombreux individus et organisations, connus ou méconnus, qui ont œuvré sans répit pour accomplir ce qui a été accompli aujourd'hui. Il reste un certain nombre de questions à aborder, y compris celles des prisonniers et des personnes toujours en fuite. Il reste également des étapes visant à normaliser totalement la vie quotidienne et politique dans la région. Mais avant toute chose, un processus de réconciliation reste à poursuivre. Notre expérience des conflits dans lesquels nous avons été impliqués nous indique que cela prendra du temps. De profondes blessures demeurent. Les familles et les communautés sont toujours divisées. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour reconnaître et aider les victimes. Il faudra faire preuve d'honnêteté de toutes parts vis-à-vis du passé et de générosité d'esprit pour soigner les plaies et reconstruire une communauté soudée. Nous saluons la récente déclaration de l'ETA qui reconnaît la souffrance qu'elle a infligée et qui apporte son soutien à la réconciliation qui reste à venir. Toutes les parties ont encore beaucoup à faire. Restons attentifs et confiants envers le travail de réconciliation qui va se poursuivre dans la région, nous restons à la disposition de tous dans le cas où une nouvelle contribution de notre part apparaîtrait nécessaire. Comme nous avons dit à Haïti en 2011, nous croyons que la construction de la paix nécessite un dialogue politique entre les principaux acteurs. Le recours à des mesures de sécurité, à la prison, à lui seul, est rarement efficace. Toute partie qui cherche à obtenir une victoire totale risque de voir le conflit réapparaître, comme nous en avons été témoins dans bien d'autres situations. La paix n'est pas un jeu à somme nulle, mais une question de compromis politique où les deux parties sont d'accord pour poursuivre leurs objectifs de manière pacifique et par les voies politiques et démocratiques. Aujourd'hui est un beau jour pour le peuple du Pays Basque, en Espagne, en France et en Europe tout entière, un jour à célébrer. Avec les efforts de tous, nous espérons qu'une solution globale, juste et pérenne, soit trouvée dès que possible au Pays Basque. Nous espérons aussi qu'il redonnera de l'espoir à tous ceux qui sont confrontés à des conflits apparemment insolubles dans d'autres parties du monde. Good afternoon. Nearly 7 years ago, we came to Donostia and issued the Haiti Declaration